Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Fisher Channel. L'animation donc de la box Big Bait du mois d'avril avec le premier leurre, c'est une tartine, clairement une bonne grosse tartine. On avait quand même de la demande pour avoir du gros leurre, bah là je pense que vous allez être servi. Très gros leurre de chez Dewa. Live Trout Swim Bait 250, donc ça fait 25 cm, ça fait 230 grammes. De la grosse tartine pour chercher Papa Brochet. Je pense qu'avec ça vous allez peut-être pouvoir attraper en tout cas le très gros brochet, il y a des chances, même si un petit brochet, on sait jamais des fois. Petit rappel, faut bien évidemment avoir le matériel adapté, canne casting quasiment obligatoire sur du gros matos comme ça. Si vous prenez du spinning, le moulinet ça va vraiment le fatiguer vite, donc vraiment essayez d'avoir le matos adapté pour jeter ce type de leurre là. Au niveau de l'animation, vous allez voir, ça va pas être très compliqué, ça va vraiment être ce qu'on appelle du cranking, lancer ramené en linéaire. On va faire un petit lancer, hop. On laisse couler un petit peu et ensuite, tout simple, lancer ramener linéaire. Avec les gros chats comme ça, il n'y a pas 45 000 animations à faire. La seule variation que vous allez pouvoir faire, c'est au pire rajouter du poids sur le leurre si vous voulez aller prospecter des profondeurs d'eau plus importantes. Ça nage vraiment super bien. Donc voilà, lancer ramener en linéaire, je vous disais, la seule petite particularité, c'est qu'au pire, vous allez pouvoir rajouter du plomb soit en clipsant des poids directement en dessous, pour permettre à votre leurre de couler un petit peu plus profondément. Vous avez vraiment des petits plombs clip qui viennent se visser dedans. Je sais qu'il y a pas mal de marques qui font ça pour alourdir votre leurre et pour pouvoir les prospecter des couches d'eau plus profondes. Deuxième produit, plus léger, c'est le Spooky Jerk de chez Quantum, donc un jerk. Vraiment le type de leurre très classique, un peu comme le Shad que vous avez eu avant. C'est vraiment le type de leurre de base à avoir dans sa box Big Bait si vous voulez pêcher du brochet. Donc au niveau de l'animation, il y a différentes variations, mais après c'est vraiment pas compliqué. Donc on va faire un lancer. Hop là, là ça part bien, il n'y a pas trop de problème, même face au vent, avec un bon moulin. Donc soit vous allez vraiment pouvoir faire du lancer ramené linéaire, c'est des leurres qui nagent même en linéaire, ça se fait, honnêtement, moi je suis pas fan. Ensuite vous allez vraiment avoir un deuxième type d'animation, c'est de mettre une accélération dans votre moulin, pause, accélération, pause, accélération, pause. Et en fait à chaque accélération, le leurre va faire un coup droite, un coup gauche, un coup droite, un coup gauche, un coup droite, un coup gauche. C'est vraiment la nage de base des jerks, hop, accélération, 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 et ainsi de suite. Là, je vous le mets bien devant la GoPro pour que vous voyez. C'est très simple. Et ensuite, la dernière animation, c'est simplement, vous allez faire pareil, mais avec votre canne. Donc, mettre des tirés avec votre canne. Et donc, pareil, à chaque tiré, un coup droite, un coup gauche, un coup droite, un coup gauche. Je vous le remonte rapidement. Donc, les trois animations font à peu près la même chose. Juste que la toute première, vraiment linéaire, je trouve que, enfin, moi, honnêtement, je suis pas très fan. Je préfère soit faire avec le moulin, soit faire avec la canne. Et avec la canne, c'est vraiment très simple. Des tirés. Et à chaque tiré, droite, gauche, pareil, n'hésitez pas à faire quelques pauses de temps en temps, ça peut toujours permettre à un poisson qui est suiveur de se décider, surtout quand vous allez repartir, quand vous allez mettre un jerk, c'est assez souvent là que vous allez prendre une boîte. Et pareil, variez la vitesse de votre jerk plus ou moins rapidement, suivant l'humeur du poisson, si vous avez des poissons plus ou moins actifs. Mais voilà, c'est un leurre qui nage vraiment tout seul, leurre de base à avoir tout simplement dans sa boîte. Dernier produit de la box Big Bait, donc au début vous avez eu un shad, ensuite un jerk. Là on a vraiment le dernier type de leurre, je pense, à avoir dans sa box Big Bait, c'est un swim bait. Donc là, petite particularité, vous avez une tête en plastique dur avec une bavette pour l'aider à nager à plus faible vitesse. Et derrière vous avez un corps articulé en plastique souple, c'est déjà un leurre qui est prémonté. Donc ça c'est vraiment sympatoche, ça vous évite de vous embêter tout simplement à faire vos montages vous-même. Montez avec deux hameçons, donc vous avez un hameçon double derrière qui est rentré dans le corps et un hameçon triple devant qui va un peu plus se balader pour pouvoir tout simplement prendre les poissons, soit s'il attaque sur la tête c'est l'hameçon de devant, soit s'il attaque un peu plus en queue c'est l'hameçon du milieu qui va prendre. Donc petite particularité, à l'intérieur de la boîte vous avez un deuxième corps de rechange, que vu que derrière c'est en souple, quand vous allez prendre quelques brochets ça risque de se faire couper, donc vous avez un corps de rechange pour monter sur la tête. Au niveau de l'animation, pendant que j'ai une magnifique souche qui est venue me dire bonjour, là vous allez voir, ça va pas être compliqué. En même temps, je trouve que c'est un petit peu l'avantage du Big Bait, c'est que niveau animation, généralement, il n'y a pas trop à se prendre le chou, lancer, ramener linéaire. Donc là, celui-là, n'hésitez pas à mettre un petit peu de vitesse. Et bien, vous allez le sentir dans la canne. Dès qu'il se met à nager, vous allez sentir l'ondulation dans votre canne. Lancer, ramener linéaire, le leurre va nager, tout bête. Donc ça, c'est vraiment le type de produit qui va être sympatoche pour passer, par exemple, au-dessus des herbiers. C'est vraiment le type de produit qui va bien s'y prêter. Donc quand vous avez un herbier, par exemple, avec un 50 cm, 1 mètre d'eau au-dessus, je pense que pour passer au-dessus ça peut être sympa, et là vous allez avoir des attaques de fou sur les brochets. Mais voilà, vraiment lancer ramener linéaire, tout bête. Pareil, tantôt vous pouvez mettre une petite tirée, le laisser un petit peu couler histoire de varier l'animation, mais ça je vous invite vraiment à faire des tests vous, à être un peu créatif,
Et quand vous voyez que ça marche pas, essayez de varier votre animation. Et si à bout d'un moment ça marche, bah peut-être que vous allez trouver la bonne animation et vous allez pouvoir reproduire ça et peut-être prendre pas mal de brochets. Pour la box Big Bait, c'est tout. Donc vous aviez trois produits différents qui vont vous permettre de vous adapter à peu près à tout type de situation. L'ouverture du brochet, c'est pour très bientôt. Quand l'ouverture sera arrivée, n'hésitez pas à nous poster les photos des poissons que vous prendrez avec les produits de la Fisher Box par mail. Sur Facebook, sur Insta. Vous pouvez aussi sur Instagram vous servir du hashtag Fisherbox Challenge. C'est marqué logiquement dans la box si vous voulez vraiment retrouver le hashtag précis. Ça s'écrit comme ça se prononce. Donc vous postez avec le petit hashtag Fisherbox Challenge. Nous, comme ça en plus, on peut retrouver. Et bien évidemment, on se fera un grand plaisir de reposter vos photos. Là-dessus, je pense vous avoir tout dit. L'espace commentaire est là pour ça si vous avez la moindre question, amélioration, tout ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.